Je sais très bien ce que tu veux dire, Judith, mais tu n'es pas capable, je le sens bien, de faire abstraction des différences d'âge. Comme celle qui existe entre toi et moi, par exemple. Au fond, tu fais de la discrimination sans te rendre compte. Je me tolère, moi, en tant que personne, comme la jeunesse d'aujourd'hui tolère le vieux. Tu ne m'as pas bien comprise, Manuel. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai même la plus grande considération pour toi. Non seulement pour la personne que tu es, mais pour ce que tu es. Un réalisateur important. Exactement ce qu'a dit Duarte. Un important, vieux réalisateur. Là, vous déformez. Non, je ne déforme rien. Ce que je vois, c'est que ton bon cœur voudrait que la vie soit forgée différemment. Hein? Mais ma chère actrice, les différents stades de la vie deviennent, pour ainsi dire, étanches. Nous y voilà. Justement, ce que j'apprécie le plus chez toi, c'est cet esprit pénétrant, cette capacité d'analyse. Très, très bien, Judith. Tu parles très bien. Oui, mais l'enveloppe. L'enveloppe? Qu'est-ce qu'elle a? Eh oui, l'enveloppe. Parce que l'esprit, ça tient bon. Parfois, il lui arrive même de se bonifier. Mais l'enveloppe se détériore peu à peu. Et voilà même que je marche avec une béquille. Oh, Manuel, tu remets ça. Eh oui, Judith, c'est comme ça. Tu portes une béquille parce que tu as fait une chute. Et tu t'es tordu le pied. Ah, elle est belle, votre conversation. Je te fais pitié, c'est ça? Ah non, pas ça. Tu fais du sentiment. À propos de sentiment, moi je crois que entre une interprète, enfin disons le personnage et le réalisateur, il se crée presque toujours un jeu souterrain. Je dis pas ça pour vous deux, je parle en général. Ah bien sûr, en général, oui. Mais si on passe au cas particulier, Alphonse, ces relations souterraines, c'est plutôt entre la jeune première et le séducteur. Oh là, alors les différences d'âge peuvent se faire bien moins remarquer. Oui, tu peux plaisanter, jeune homme. Mais ça va aussi t'arriver. La vieillesse, la maladie, éloigne les gens. Remarque, je ne parle même pas de sexe. Hein. La jeunesse recherche la jeunesse. Et que ça rende compte ou pas, elle s'éloigne des vieux. Et des éclopés, comme la route sur laquelle nous roulons, s'éloigne de nous. Voyons, mon cher réalisateur, mon pauvre petit éclopé, n'essaie pas de m'émouvoir. D'ailleurs, je ne dirai plus rien. Mais moi, oui, ma chère actrice. Il y a des gens qui aimeraient en voir certains déjà dans un cercueil, encore tout vivant. Oh, moi, je ne parle pas de toi, bien sûr. Sinon, tu me blesserais. J'en serais bien capable. Mais il y en a qui le souhaitent. Et ça, c'est pour d'autres raisons. Des jalousies et des choses comme ça. À ce propos, dis-moi, Judith, si quelqu'un venait insinuer à tes oreilles des choses désagréables que je n'ai jamais dit de toi, y croirais-tu? Voyons, Manuel. Bon, mieux vaut parler d'autre chose. C'est bien aussi mon avis. Mes amis, nous allons bientôt passer dans des coins que j'ai très bien connus et que je n'ai plus revu depuis longtemps. Alors, il n'y a pas qu'à Fonce. Notre réalisateur bien-aimé va au-devant de ses souvenirs. Lui aussi, vient matar saudades. Souvenirs. Mon père aussi parlait de saudades. Oui, les souvenirs qui nous appellent. C'est ce qui t'a poussé à ce voyage. Saudades. C'est exactement ce que je ressens depuis que je suis arrivé au Portugal. Un énorme désir de connaître tout ce que je n'ai jamais vu, mais dont j'ai tant de fois entendu parler par mon père. Tout, c'est quoi? Ce qu'il m'a raconté de son enfance, quand j'étais encore tout gamin, là-bas en France. Et tu t'en souviens encore? Ce sont des choses qu'on n'oublie pas. C'est comme si je les avais moi-même vécues, dans les endroits où je ne suis pourtant jamais allé. C'est étrange. Atavisme. Des réminiscences qui se ravivent. Comme la lave du volcan qui se réveille.
Oui. Comme ce qui se passe à Sarajevo. À Sarajevo? À Sarajevo et un peu partout dans le monde. Apocalypse now. Voilà le collège, en face de Camille, tu le vois, Afonso? Là-bas, au milieu de ces maisons. Il est très loin. Le fleuve est drôlement large. Très loin. Ah, maintenant, oui, je vois parfaitement. L'édifice avec trois tours. C'est bien lui, hein? Exactement. J'étais en terre là-bas, 3-4 ans. Il nous réveillait tous les matins à 6 heures. L'hiver, il gelait à pierre fendre et nous avions les mains pleines d'engelures. Ah oui, j'avais 10, 11 ans. Ils m'ont mis dans la 3e division, que c'était celle des plus jeunes. Et mon frère Casimiro, qui avait à peu près un an et demi de plus que moi, s'est retrouvé dans la 2e division. Les frères qui étaient dans des divisions différentes, ils ne se rencontraient que le dimanche, ils bavardaient juste une heure comme ça, en circulant dans les couloirs. Il s'appelait Collège de la Passage, parce qu'il était sur le chemin qui passait vers la Guardia. Ils étaient les anciens jésuites du Collège de Campolide qui avaient été expulsés par la République. C'est vrai? Aujourd'hui, c'est le Collège de São João de Brito à Lisbonne. Oui. Et celui-ci a été transféré à Caldinhas, tout près de Saint-Tirso. Oui, où mes fils ont fait leurs études. Et où est allé également Don Duarte Pio, le prétendant au trône, qui s'est marié l'année dernière dans l'église des Jerónimos. Curieusement, avec la présence de tous les partis républicains et du président de la République même. Et devant l'église, on brandissait les drapeaux de la monarchie. Toi aussi, tu t'appelles Duarte. Oui, hein? Duarte. Mais ça n'a rien à voir avec la famille royale. Tu crois que la monarchie va revenir? Écoute,
Je suis né anarchiste. Et la République, elle a déjà plus de 80 ans. Oui, je suis né justement quand la République s'est installée. Ah oui, tu es né sous la monarchie, mais tu n'es pas monarchiste. Je me trompe? Non, je ne sais pas ce que je suis. Peut-être anarchiste, comme toi. Ah, d'accord. Mais la monarchie n'a pas été nécessaire pour que les jésuites reviennent au Portugal. En tout cas, en Espagne, elle est revenue, la monarchie. Laisse donc la monarchie et dis-moi si on vous traitait bien là-bas au collège. Oh, la discipline était très stricte. Je n'ai reçu des coups de férule. Tous les jours, on avait messe et communion. C'est normal, dans un collège de religieux. Et surtout des jésuites. Et le reste? Le reste? Oui. Comment est-ce qu'on vous traitait, la nourriture? On nous servait une tortille à l'espagnol. Certains jours seulement, hein. C'était une spécialité. Jamais aucun élève qui est passé là n'a pu oublier un tel régal. Et les professeurs étaient des prêtres aussi? Ah oui, tous des prêtres. Seuls les domestiques, ils étaient laïcs. Les jésuites ont toujours été de bons professeurs. C'est moi qui étais un mauvais élève. Mais je me tenais mal. Ce que j'ai pu recevoir comme gâteau. Ah, on te donnait des gâteaux? Oui, des gâteaux. On appelait ça des gâteaux. Mais ça n'a rien à voir avec des gâteaux en sucre. Non, mademoiselle, c'était des coups de férule. Infligés sans aucune indulgence. Donc, il ne t'en est resté aucun regret? Il me reste les mains qui brûlent encore. Et quand tes mains tu brûlais, tu ne te sentais pas un martyr comme un de ces saints qui étaient soumis à la torture? Tu sais, Judith, il suffit d'un regard de femme, un certain regard, parce qu'un homme endure les martyrs. Oui, quelle sorte de martyr? Celui de réfréner ses désirs. Est-ce que tu n'as jamais eu envie d'être prêtre? Un père jésuite comme tes supérieurs au collège? Ou est-ce que les prêtres n'ont pas de désir? Ah, Judith, ta question est non seulement indiscrète, mais elle est perverse. Est-ce qu'il y a de la malignité dans la vocation d'un prêtre? C'est ta question qui est pleine de malignité. Mais je vais te répondre. Le sacerdoce passe par le renoncement au sexe. Et moi, il suffirait que je pense à une femme. Une femme comme toi, par exemple, pour renoncer au sacerdoce. C'est un compliment? C'est bien plus que ça. Tu veux dire que tu péchais par la pensée? Je dis, il y a si longtemps. Est-ce que par hasard tu en as commis d'autres? Allez, réponds. Est-ce qu'au moins tu confessais ces péchés? Tous les jours avant d'entendre la messe, je me confessais et j'ai communié. Moi et tous les autres, c'était la règle, non seulement jésuite, mais catholique. Et tu te sentais plus léger après? Tu sais, Judith, si ça t'intéresse tellement de savoir mes pensées intimes, nous pouvons en parler plus tard, hein, tête à tête. Non, 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 non. Ça ne m'intéresse absolument pas. D'ailleurs, je ne faisais que des comparaisons. Tu sais, moi aussi, j'ai été élevée chez les religieuses. Ah, alors, tu sais ce qu'il en est. Sauf que tu es très belle et jeune. Et que je suis sur la pente descendante, boiteux, et que j'ai vieilli. Tu exagères. Ou alors tu es masochiste? Non, 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 je ne suis pas masochiste. Mais je me souviens d'un temps où j'étais un enfant candide. À ce que je vois, tu en as finalement gardé des regrets. Je ne sais pas. Ah non? Non. Mais ça me fait du bien de me souvenir de ces temps-là. Un temps qui ne reviendra plus. Et toi, Judith, tu ne le sais pas non plus? Je regarde dans les jumelles. Tu regardes quoi? Si tu péchais? Non, le collège. La Judith de la Bible, l'héroïne juive,
pour sauver la ville de Béthulie, séduisit Holoferne, le général assyrien, et profitant de son sommeil, il lui coupa la tête. Au petit matin, l'armée vit la tête de son chef pendue sur les murailles de la ville. Démoralisés, les Assyriens ont abandonné le siège. Oui, mais quel rapport avec le collège? Je le disais à cause de ta beauté et de ton nom. Je ne suis ici pour séduire qui que ce soit. Tu me confonds, je ne suis pas cette Judith. Et d'ailleurs, dans mon collège, il n'y avait pas d'armée. Dans celui-ci, il y avait des prêtres. Qui ne reviendront plus. Mais pourtant, le bâtiment est là. Mais il n'a plus ce qu'il était. Je ne sais pas d'ailleurs ce que c'est devenu aujourd'hui. Tu sais à quoi me fait penser cette distance qui nous sépare de lui, Alphonse? Non, je ne vois pas. Un temps qui sépare un autre temps, qui avec le temps devient maintenant présent. Dit de cette façon, j'arrive à me sentir coupé de mes souvenirs. C'est moi qui en suis coupé. Ce fleuve n'est pas celui de chez moi. Ce n'est pas non plus celui de chez moi. Mon fleuve est un fleuve d'or. Un fleuve d'or? Oui, oui. Il est toujours en or, le fleuve de chez soi, mais les miens l'appellent le Douro, qui ça peut signifier d'or. Je comprends. Celui-ci, c'est le Minho, qui nous sépare d'Espagne. Il est beaucoup plus large que le mien, et ténébreux. Ténébreux? Je le trouve calme. En ce moment, il a l'air calme. Mais pendant les sombres journées d'hiver, chaque fois nous revenions après la fête de la Noël, les fleuves faisaient peur. Devant la barque, les vagues se creusaient comme en plein mer. C'était une barque noire qui nous emportait vers l'autre rive. Et le piquait du nez, et moi, gamin que j'étais, je croyais que ces vagues allaient nous engloutir tous. Pitié pour nous. Le passeur, un homme intrépide, indifférent au danger, remet sans arrêt. Dans mon imagination d'enfant, je voyais déjà un naufrage. Et tout tremblant, je regardais mon père. Et comme je le voyais tranquille, ça suffisait pour me rassurer. C'était une barque de ce genre-là, tu vois, là. Ce devait être un solide gaillard, le passeur. Tu te trompes. C'était un homme petit, rude, maigre et sec. Les visages burinés par les intempéries. Il ramait ferme et indifférent. Et mes yeux d'enfant voyaient dans ce petit homme un géant. Ça, Alphonse, c'est l'ancienne citadelle de Valence. Nous sommes en train de parcourir la partie fortifiée. Il y a un historien qui admet que les origines de cette fortification plongent dans les strates obscures d'un campement fortifié de l'époque de la romanisation. Mais là, un certain air médiéval. Il est mort, ce temps-là. Oui. Un temps qui sépare un autre temps qui, avec le temps, devient maintenant présent. Bravo.
C'était par ici, je m'en souviens parfaitement. Mon père a dit Chico, arrête-toi. Chico était mon frère aîné, le plus vieux. À l'époque, on se servait beaucoup de diminutifs. Mon frère Casimiro était devenu Mio. Et moi, le plus jeune, Néné. On faisait de moi presque un enfant gâté. Ça se voit. Tu trouves? Oui, oui. Mais on dirait que c'était par ici. Manel, ne change pas de conversation. Mais je ne change pas de conversation. Ne me distrais pas. Il y avait là, au bord de la route, une petite statue. Un petit bonhomme avec des grandes moustaches. Il avait un genou à terre et sur le dos un tronc d'arbre qui soutenait une treille. Et... Allez, le voilà, le voilà! Voilà, il l'a déplacé. On dirait la moustache du personnage que je joue dans l'autre film. Oui, tout à fait. À cette époque, mon père rencontrait de graves difficultés, mais personne venait à son secours. Cette sculpture assez naïve était la caricature de sa situation. Boa tarde. Boa tarde. Olha, minha senhora, sabe-me dizer, este prego, mudaram-me para aqui. Ele não estava ali à beira da estrada. Nunca tal ouvi. O boneco é muito antigo e a gente sempre o conheceu aqui, à beira da casa dos da família que o fez. Olha o que lhe fizeram, minha senhora. Garotos malvados que não têm outro nome. Cortaram-lhe o braço e o bico ao barreto, ao Pedro Macau. Chamam-lhe Pedro Macau? Chamam, sim, senhor. Ah, chamam. Então lhe fizeram uns versos. O que dizem os versos? A senhora sabe? Por acaso até sei. Olha, é assim. Eu sou o Pedro Macau, que às costas tenho um pau. Por aqui passa-me de patego. Uns de focinho branco, outros de focinho negro. E ninguém me tira deste degredo. Como é que é? Diga lá outra vez, por favor. Eu sou o Pedro Macau, que às costas tenho um pau. Por aqui passa muito patego. Uns de focinho branco, outros de focinho negro. E ninguém me tira deste degredo. Ainda para ali está com o pau às costas o desgraçado do homem. Antes ainda tinha uma latada por cima. Mas era muito peso, coitado. Queixava-se daquele degredo. Se largasse a baldita da tranca, a latada caía-lhe em cima e matava o desgraçado do homem. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que seu nome é très ancien. Elle a toujours connu o mesmo endroit. Olha, sur... o homem estrangeiro. Sur la maison de la famille qu'il a construit. On a écrit une poésie sur lui. C'est comme ça. Eu sou o Pedro Macau. Je m'appelle Pedro Macau. Que às costas tem um pau. J'ai une poutre sur le dos. Passa por aqui muito patego. Beaucoup de gens passent me voir. Uns com o focinho branco, les uns avec un museau blanc, os outros com o focinho negro, les autres avec un museau noir. E ninguém me tira deste degredo, et personne me tire de ce tourment. Tu vois, il est immobile, parce que s'il bouge, la traie lui tombe dessus et le tue. Le malheureux. Ouais, le pauvre. C'est pour ça qu'il dit, personne me tire de ce tourment. Allez, répète après moi. Eu sou o Pedro Macau. Non, attends, mais doucement. Eu sou... O Pedro Macau. Eu sou o Pedro Macau. Oui, d'accord. Je m'appelle Pedro Macau. Je m'appelle Pedro Macau. J'ai une poutre sur le dos. J'ai une poutre sur le dos. Beaucoup de gens passent me voir. Beaucoup de gens passent me voir. Les uns avec un museau blanc. Les uns avec un museau blanc. Les autres avec un museau noir. Les autres avec un museau noir. Et personne ne me tire de mon tourment. Et personne ne me tire de mon tourment. Desgraçado homem. Para ali está naquele degredo. Elle vient de dire que le malheureux ne pouvait se libérer de son tourment.
Des situations comme celle-ci font un petit homme un héros malgré lui. Quand on est courageux. Comme l'a été ton père. Oui, comme mon père. Du mien aussi, il me reste une certaine image, comme celle de l'homme de la barque. Petit, c'est vrai, mais il tient bon. Solide comme des géants. Oui, de Pedro Macau. Olha lá, por que puseram-lhe o nome de Pedro Macau? Lá, isso não sei. Olha, se calhar para rimar com pau. Bem, meus senhores, tenho que mirar a vida. Fiquem com Deus. Olhe, obrigadinho pela informação. E trate bem de si, hein? Que o Pedro Macau cá fica. É como o senhor diz, é? Cada um que se arranje. Pois, pois. E os outros que se amolem. É como a senhora diz, é? A vida manda assim e a morte é certa. Bom, onde vai? Passions ici en automobile, en Itala. En Itala? Oui, Itala ou Itala, comme on disait aussi. Itala ou Itala, ça devait être une marque italienne. Oui, oui, l'usine était à Turin. C'est la première voiture que mon père a achetée après la guerre de 14. Il me semble qu'il n'y en avait pas d'autre au Portugal de cette marque. Je n'en ai jamais entendu parler. Notre premier chauffeur s'appelait Maya. Mon frère Chico a commencé à conduire avant l'âge, sans avoir encore de permis, bien sûr. D'ailleurs, comme plus tard, mon frère Casimiro et moi ensuite. Oh, le bon temps. Eh oui. Oui, le bon temps. Chico était le plus âgé, nous avions 9 ans de différence. Moi, j'étais le plus jeune. C'était encore tout mon, mais lui, il menait une vie de bohème avec des maîtresses de luxe. Des cocottes à peine plus âgées que lui. Des belles cocottes. On les voyait dans les théâtres les plus chics de Porto, aux loges les plus chères, toujours toutes seules. Et elles exhibaient leur parure avec des robes et des bijoux qui attiraient les regards. Elles connaissaient bien les faiblesses des hommes. Et belles comme elles étaient, elles les prenaient facilement dans leur filet. Elles étaient habiles en amour, dissimulées, tendres par nature et aussi par profession. Elle exploitait de vieux fous, mais riches, et si possible déjà pris, parce qu'il leur laissait davantage de temps pour se laisser aller aux élans de leur cœur avec de jeunes amants. J'allais en rejoindre certains dans les fonds de leur loge. Mon frère m'y conduisait par la main pendant les entr'actes. Elle voulait me voir de près et me cajoler. Elle aimait bien les petits garçons que j'étais. Les petits frères de leur amant, de corps du moment. Et qu'est-ce qu'elle te faisait? Oui, qu'est-ce qu'elle te faisait? Voyons, qu'est-ce qu'elle pouvait bien me faire? Rien. Elle s'amusait avec moi, elle me disait des choses tendres. Elle m'embrassait sur le visage, presque maternellement. Mais ses caresses n'étaient pas celles d'une mère et elle mettait tous mes sens en ébullition. Ah, nous arrivons à Pesu. Le grand hôtel, ça doit être par là. Les eaux d'ici sont très bonnes pour le diabète. Oui. Ce n'est pas notre cas. Voilà, je crois que... Voilà, qu'il vaut mieux rentrer, hein. Voilà, voilà. Voilà, on y est.
Castel do Peso. Danke, Rita. Quelle désolation. J'étais assis là avec mon frère Casimiro et un groupe de jeunes filles. Des jeunes filles, des petites filles. Deux d'entre elles étaient des sœurs aussi. Et voilà, il y avait un banc ici collé à l'arbre qui lui servait de dossier. Et nous sommes assis là plusieurs fois. On voit encore la marque. Voyez là. Eh oui, nous étions très jeunes, 15, 16 ans. Regardez comme le temps a changé la position de la mer, parce qu'à l'époque, c'était, disons, là. Et regardez maintenant où elle est arrivée. Vous voyez, là. Il y avait des jeunes filles. Oui. De belles jeunes filles. Il y en avait une, la plus âgée. Et mon frère était amoureux d'elle, oui. Il s'aimait. Une passion juvénile. Passion juvénile. Ce ne sont pas toujours les plus innocentes. Innocent ou pas. Eux seuls le savent. Ce qui est sûr, c'est que ils ont beaucoup pleuré quand ils ont dû se séparer. Nous sommes partis. Elle est restée avec sa famille, retenue par son frère malade de typhus. Il me semble encore d'entendre les gémissements là, à l'étage du haut, quand on le mettait dans l'eau froide pour faire tomber la fièvre. Les gémissements étouffés qu'on entendait dans les couloirs, là-bas. Ce que c'était à l'époque, qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Plus de jardin, plus de portes, plus de fenêtres. Il ne me reste que les gémissements gravés dans mon âme, comme la marque sur l'arbre. Pauvre garçon. Ah, oh, Manuel. Tu sais, Manuel, tu deviens plus saudosiste qu'Alphonse. Saudosiste?
C'est le souvenir du passé, n'est-ce pas? Eh oui. Et n'arrive pas à faire de l'ironie. Mais tu as raison, Alfonso. Que représente ces ruines? Le futur d'un passé qui a été fulgurant. Et dis-moi, Judith, qui, comme ce pauvre garçon miné par les typhus, ou qui que ce soit d'autre, ne se souviendrait du temps où il était en bonne santé lorsqu'il tombe malade dans un lit d'hôpital? Oui, c'est vrai. Maladie du temps. Comme un Sarajevo et son coup de feu. Et quelle maladie! Est-ce que tu crois que le monde est vraiment si malade? Malade? Damné, oui. Empoisonné. Et sans eau thermale pour soigner ses maux. Sans eau thermale? Et sans terme, ça se voit bien. Hein? Des murs en ruine pour nous. Pas pour ta mémoire, Manuel. Pour toi, tout est comme auparavant. Non, tu te trompes. Je me trompe? Tout a été perdu pour celui dont parlaient les poètes. Qui donc? Qui? C'était un indigène. Et le poète racontait qu'il avait une baraque sur la butte où il vivait et où il cultivait son petit bout de terre. En bas coulait la fleuve. À la tombée de la nuit, il est descendu. Il a pris son canot et il est parti retrouver sa fiancée qui habitait sur l'autre rive. Avant même de débarquer, il a pu voir la lumière de la lune à travers les branches. Sa fiancée s'est donnée à un autre homme. Dessus, il s'en est revenu, mais plus amer encore, en voyant qu'un éboulement lui avait enlevé entre-temps ce qui était encore à lui, son petit bout de terre et sa pauvre baraque. C'est alors que le poète dit... Saudade, nessa história, é do poeta brasileiro Catulo Cearense. Ce poète brésilien définit ainsi ce sentiment bien à nous. Saudade et à terre caída. Pardon. Et toi aussi, Manuel, excusez-moi. Tu te rends compte de tout ce temps que nous faisons perdre à Afonso avec nos bavardages? Il est venu pour voir la terre de ses ancêtres et on n'y pense pas. Il faut y aller, hein? Non, mais termine d'abord cette histoire, le poème de la Saudade. Bon, ce poète exprimait ainsi le sentiment de l'indigène. Saudade et à terre caída de un coração que sonhou. Ce qu'il dit, c'est que les souvenirs... Et la terre éboulée, d'un cœur qui arrivait. Pourvu que je n'ai pas affronté pareille surprise. N'as-tu pas dit qu'une tante à toi vivait encore là-bas? Si, une sœur de mon père. J'ai hâte de la connaître. Tu sais, Manuel, tout ce passé appartient à celui de ta mémoire. J'ai bien aimé t'écouter, mais ça ne me concerne pas. Ça n'appartient pas au passé de mon père, tu comprends? Thank you.
père s'appelait Manuel, comme toi. Oui, je sais. Mais pourquoi tu me dis ça? Parce qu'avec le même prénom, il a connu des épreuves bien différentes des tiennes. Je parle pas d'état d'esprit mélancolique, je parle de choses concrètes, de situations réelles, comme avoir faim ou froid, ne pas savoir où dormir. Non, je n'ai jamais eu à souffrir de ça. Parfois, ça oui, j'ai baigné dans une certaine angoisse, d'oscurs pressentiments qui s'emparaient de mon esprit. Mais c'est une sensation profonde, une sorte de détresse qui me faisait peur et qui me laissait malheureux sans aucune raison. Sans aucune raison? Oui, comme dans les cauchemars qui nous tourmentent, mais sans raison. Surtout au cours de l'enfance. Et même par la suite, pendant l'adolescence. Encore maintenant? Je ne sais pas. Je sais que ça m'arrivait, oui. Comme si je les avais vécues dans une autre vie. Écoute, tirant les conclusions que tu voudras, je ne peux pas t'en dire plus. Maintenant, de ces privations réelles comme celles qui a connu ton père, la faim, le froid, n'est pas avoir de toi. Au contraire, je n'ai pas manqué d'affection. C'est peut-être pourquoi j'ai tant souffert d'être interne là-bas au collège. Après, le service militaire est arrivé, oui. Il était obligatoire. J'étais alors déjà solide de corps et d'esprit, mais mon caractère était encore à consolider. Ma sensibilité ne cadrait pas avec la discipline de l'armée, qui me faisait beaucoup penser à ce qui serait la guerre et à comment je me comporterais dans une situation pareille. Je suis né pendant l'instauration de la République. J'ai grandi au milieu des révolutions et des guerres, mais je n'étais durement touché par aucune d'entre elles. J'avoue que le destin s'est montré bienveillant à mon égard, du moins jusqu'à aujourd'hui. Mais le destin de mon père a été tout autre. Il a fait les expériences les plus difficiles et les plus amères quand il était adolescent. Comment s'appelle le village? Je sais qu'il est près d'un grand bourg. Oui, c'est près de Castro-Lebreiro. Castro-Lebreiro, c'est aussi le nom d'une race de chiens qui sont considérés comme des chiens sauvages à cause du croisement entre les chiens de la région et les loups de la montagne, près du village de ton père. Son village s'appelait Lugar do Teso. Il est parti de là-bas, il n'avait pas encore 14 ans. Si jeune? Oui, c'est lui-même qui me l'a raconté. Je suis parti par un petit matin froid. J'ai escaladé les montagnes de Falpera, tout seul, pour que personne ne soit au courant et n'essaie de m'en empêcher. Je suis allé à l'aventure, sans argent, avec pour tout vêtement ce que j'avais sur le dos. D'une main, j'agitais un crochet de fil de fer où pendaient de petites pièces de métal, dont le bruit faisait fuir les loups. Et de l'autre, je tenais un bâton sur le dos, auquel était noué un sac de pain. Avec un bâton sur le dos, pour une vie de tourment comme Pedro Macao. Comme Pedro Macao. Il me disait toujours, tu sais, j'en ai bouffé de la vache enragée. Il m'attend de voir raconter son passé que j'ai l'impression de l'avoir vécu moi-même. Il parlait beaucoup de sa sœur, ma tante, Maria Afonso. J'ai vraiment hâte de la connaître. Tu vas bientôt la voir, ta tante. Mais avant, raconte-nous tout ce que tu sais sur ton père. Comment a-t-il fait? Sans papier, sans rien? C'était la guerre civile en Espagne, alors il a été tout de suite arrêté. D'abord par ceux de la phalange, des franquistes, puis par les républicains. En prison, il a acquis des rudiments de mécanique. Il a dû payer pour être libéré. Il a pu le faire grâce à l'argent d'une vache que sa famille a vendue pour lui porter secours. Alors ils n'ont plus eu de lait? Une vie de pauvre. Et où est-il allé ensuite? Ensuite, il a passé les Pyrénées, il s'est fixé en France. Toujours en clandestin? Oui, oui, toujours, oui. Sans papier, sans rien, ça devait être difficile.
Au début, ça a été très dur. Jusqu'à ce qu'il trouve du travail dans un garage. Alors il a appris à parler, à lire, à écrire le français. Et il a fini par obtenir ses papiers. Mais seulement après l'armistice de 1940. Il n'a pas eu d'ennui avec la guerre ? En tant que portugais, il était neutre. Ça lui a facilité la vie. Après la guerre, il s'est installé comme patron. Et les affaires ont bien marché pour lui. Il vivait à Toulouse. Il a épousé ma mère qui était française et il est resté là-bas. Mon frère aîné, Yves, se souvient qu'il avait une guitare et qu'il chantait le fado. Il est mort jeune. Qui ça ? Yves ? Non, mon père. Il est mort à 40 ans dans un accident de voiture. Mais il n'était déjà plus avec ma mère, il vivait avec une autre femme. Et vous ? Vous n'êtes jamais venu au Portugal ? Nous ? Non. Lui est retourné une fois, chercher des hommes pour l'aider au garage. Mais ils l'ont trouvé dur comme patron et sont repartis presque tout de suite. Les épreuves, ça endurcit les gens. Por favor, bom dia. Bom dia. Bom dia. Por favor, pode me indicar onde é o... A ponte. Como se chama o lugar? O lugar do... Teso. Do Teso. Fica para além. Não tem nada que enganar. Toma a primeira estrada à esquerda, vai sempre em frente que vai lá dar. Muito obrigado. São turistas. Sabes lá. Não vês que um até falava francês? Havia lá um que parecia imigrante. Talvez.
sais, Afonso, par ici, dans les villages, il est d'usage de toujours mettre sur la table de quoi boire et manger. Et si on ne grignote pas, les gens se sentent offensés. Excuse-moi, mais je crois que je devais te prévenir. Primeiro fomos bater à sua porta. Depois disseram-nos que teria vindo para a casa da sua nora e aqui estamos. Este senhor é o seu sobrinho Afonso, filho do senhor Manuel, irmão da senhora. É filho do seu irmão Manuel Afonso. O seu sobrinho é ator e veio a Portugal convidado para filmar. Desde que chegou que o seu único desejo é de a conhecer a si e aqui à terra do pai dele. Você disse que ele é meu sobrinho. Mas ele não fala. O seu sobrinho nasceu em França. A mãe era francesa e ele só aprendeu francês. Oh, moi aussi, je suis française. J'ai épousé votre cousin il y a 9 ans. Parlez en français, je traduirai pour ma belle-mère. Je m'appelle Christine. Pourquoi est-ce que vous êtes habillée en noir? Vous êtes en deuil? Oui, nous sommes en deuil et nos parents viennent mourir. Mais de toute façon, c'est la coutume ici. Les femmes s'habillent de noir quand leurs maris sont partis travailler à l'étranger. Mon père s'appelait Manuel. C'était le frère de votre belle-mère. Je suis né en France et j'ai toujours vécu là-bas. Il dit que é filho do seu irmão Manuel. Mon père s'appelait Manuel. Je désirais connaître ma tante et ses amis m'ont accompagné jusqu'ici. Eu pedi aos amigos para o trazerem e conhecer a senhora Maria. Por que é que ele não fala a nossa fala? Ele não fala português porque sempre viveu em França. J'ai épousé Joachim en France, un an après qu'il ait immigré. Avant, on ne venait ici que pour la Noël, mais la dernière fois, il a voulu que je reste. Pour élever les enfants et puis parce que la vie est moins chère ici. Mas por que é que ele não fala a nossa fala? E por que não sabe, senhora? E é a primeira vez que o seu sobrinho vem a Portugal. Nasceu em França e foi educado a falar francês. Mas o seu irmão falava-lhe muito da senhora. Desde que chegou, que o seu primeiro desejo foi de a conhecer. O pai dele, o meu irmão Manuel, foi desde pequeno muito voluntarioso. Aos 14 anos nos deixou. Ninguém o convenceu a que não fosse. Atravessou a aduana a salto. Só tornamos a saber dele por uma carta de Espanha a pedir dinheiro. Para o librar, porque estava preso pelos republicanos. Isto foi na Guerra da Espanha, há muito tempo. Só se lembrou de nós para nos vir pedir mais dinheiro. Dinheiro. Não o tínhamos. Não, não, esteja descansada. Não vem pedir dinheiro. Outra vez, tivemos que vender a vaca para acudir à aflição do meu irmão. Só uma vez o tornamos a ver, muitos anos depois. Nem o conheci. Tão diferente era do rapazinho que vi partir. Estava num mesarrão, muito endurecido pelos trabalhos que havia passado. Quis ver tudo, saber de tudo. E levou alguns homens daqui para trabalhar com ele. Mas ele era um homem de uma vontade muito forte. E os outros não o aguentaram e vieram pouco tempo depois. Mas para quem estou a falar? Ele não entende o que eu digo. Por que é que ele não fala a nossa fala? Porque o seu irmão não ensinou a falar a sua fala. Ta tante é desesperée que tu comprennes pas ce qu'elle est en train de dire. Elle nous raconte des choses que nous savons déjà par toi. Quand ton père est parti, aussi l'histoire de la vache. Il n'est plus revenu, sinon une seule fois tellement changé que elle ne l'a même pas reconnu. Il a emmené des hommes avec lui. Ils sont revenus aussitôt en se plaignant qu'il était trop dur avec eux. Tu sais, Alphonse, ta tante n'arrive pas à comprendre pourquoi tu parles pas la même langue qu'elle. Et elle se méfie à cause de ça. Estes senhores vieram trazer este senhor, que é filho do seu cunhado Manuel, que morreu em França. Filho do meu irmão Manuel.
Tu sabes o que dizem dele com as mulheres? Qualquer lhe servia. E essas mulheres também eram lebianas como outros homens. Ah, agora sinto a saber de quem este é filho. Nem sequer fala a nossa fala. Ce monsieur, ele marido da tante. E ele sabe que ton père était très coureur. Du coup, elle met en doute que tu sois vraiment son neveu. Parce que ton père sortait avec beaucoup de femmes qui avaient d'autres hommes dans leur vie. Ça n'a rien à voir. Lorsque nous sommes nés, mon père n'avait que notre mère. Elle n'avait que lui. C'est beaucoup plus tard qu'il a commencé à sortir avec d'autres femmes. Yves et moi, nous sommes frères. Nous sommes les fils de votre frère Manuel. Nous sommes vos neveux. O seu sobrinho Afonso está a dizer que quando ele e o Yves nasceram, o seu cunhado Manuel não conhecia nenhuma mulher. E ele tem a certeza que é o seu sobrinho direto. Mas afinal, o que é que este homem quer? Vem pelas heranças dos campos por morte do nosso parente? Quem é este homem? Que não sabe a nossa fala? Apparemment, ils ont hérité un terrain d'un parent qui vient de mourir. Et il pense que tu viens réclamer ta part. Mais non, mais je ne veux rien. Je ne viens rien réclamer. Je suis venu faire la connaissance de ma tante. Apprendre des choses sur mon père. Et voir. Voir la terre de ma famille. C'est tout. Ele diz que não sabe nem quer saber nada dos campos, que não veio buscar nada. Tudo o que ele queria era conhecer a terra dos seus antepassados. Mas... Por que ele não fala a nossa fala? Ta tante se plaint que tu ne parles pas comme les gens d'ici. Mais même si je parlais comme les gens d'ici, je ne pourrais que lui répéter que je suis Afonso, le fils de votre frère Manuel. Je suis votre neveu. Ele diz que a fala não importa e que se não sabe falar português foi porque o pai não lhe ensinou. E que tem a certeza que é seu sobrinho, filho do seu irmão Manuel. Je sais comment mon père était avec les femmes et les disputes avec ma mère. Je suis votre neveu. Votre neveu Afonso. Ele diz que sabe essas coisas, as coisas das amantes e outras desavenças que a mãe dele teve com o seu irmão Manuel. Mas o Afonso já era crescido e tem a certeza que é seu sobrinho. Que é meu sobrinho. Porque não fala a nossa fala. Nasceu em França. E lá a nossa língua não faz falta. E certamente com os afazeres o pai não lhe ensinou. Tá tonto continuar a se plantar que tu parles para o português. O seu sobrinho é um ator muito conhecido. Muito importante. Olha, a senhora já deve ter visto na televisão. Televisão? A tia Maria? Ela não gosta de ver televisão. Também é muito falado nos jornais. Ganha muito dinheiro. Não precisa nada daqui. Ele veio para conhecer a senhora e a terra do pai dele. Mais nada. Ele tem as feições do meu irmão. Os olhos são castanhos, como a ele. Os meus são verdes. Lá isso tem. Mas se é filho do Manuel, por que não fala a nossa fala? Elle insiste sur la langue. Vous ne parlez pas comme elle. La langue. La langue, mais quelle importance. Regardez. Regardez mon bras. Demandez-lui de serrer mon bras avec sa main. Je t'ai pedi pour le seigneur de lui apertar o braço com força. Ce n'est pas la langue qui compte. Ce qui compte, c'est le sang. Ce sang qui bat dans mon bras. C'est le même que celui qui coule dans vos veines. Il dit que mais importante do que a fala é o sangue. Que o sangue que pulsa nela é o mesmo que corre nas veias da senhora. O filho do meu irmão Manuel. Dis-tu que je voudrais aller au cimetière sur les tombes de ma famille. Il quer ir au cimetière où sont les seus avós. Tenho que passar na caixa porque não estou vestida para ir ao cemitério. E também quero mostrar onde nasceu o pai dele.
C'est bien comme ça, n'est-ce pas, Christine? Même au loin, nous restons accrochés au cordon ombilical comme de nouveau-nés. Oui, c'est vrai. Mes parents, les pauvres, sont déjà dans l'autre monde. Mon mari est en France. Moi ici, je reste pour m'occuper des enfants et de la maison, ce qui est mon devoir. Mais je pense tout le temps à chez moi. Et à mon mari. Quand est-ce qu'il viendra? Maintenant, il ne viendra que pour la Noël. À Noël? Pourquoi vous n'êtes pas restée en France avec votre mari? Parce que la vie en France est trop chère. Ici, nous faisons plus d'économies. Et puis, j'ai toujours l'aide de ma belle-mère. Vous savez, les enfants, ça donne beaucoup de travail. Allez, les enfants. Je dois rester ici. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Não era boa a vida aqui. E o meu cunhado, Manuel, se ele tinha olhos para aquelas montanhas que lhe escondiam não sei o quê. Ilusões. Ilusões pensávamos nós. Dizia, hei de saber o que me escondem aquelas montanhas. Assim diz, assim fez-o. Ora, o que havia do lado de lá das montanhas era a guerra entre franquistas e republicanos. O senhor está a ver? Ora, ali estão as montanhas. Vê? São aquelas montanhas. A vida aqui foi sempre dura. Vida de muito trabalho. De muitas privações. E o meu cunhado, pai deste, Manuel Afonso, já não se satisfazia com isto aqui. A ideia dele era fugir. A gente pensava que aquilo era ilusões do rapaz. Afinal, por lá se governou. Oh, Sr. Afonso, eu vejo por aí, até nas caixas do correio, que todos têm o nome Afonso. Ah, sim, senhor. Deve haver alguma razão para isso, não? Nós somos todos descendentes de Afonso Henriques, o nosso primeiro rei, a quem Cristo apareceu com as cinco sagas na Batalha de Ourique. É, homem. Fico admirado com os seus conhecimentos. Então a gente não havia de saber que o Afonso foi o rei que fez Portugal? Oh. O padre António Vieira até diz num dos seus sermões: Portugal é a única nação que nasceu por vontade de Deus. O senhor padre António Vieira, já ouvi falar dele. Mas, meu caro senhor, por nossa vontade, bem Deus nosso senhor podia ter feito esta aldeia mais afortunada. Aqui no Alto do Teso, que é o nome do nosso lugar, até costumamos recitar os versos do Camões, a propósito do Afonso, que dizem assim: os altos promontórios... Não, espera. Os altos promontórios o choraram, que sempre no seu reino chamarão Afonso, Afonso. Mas em vão. Afonso! Anton! Já lá vou! Já lá vou! Thank you.
Oh, José, dá-lhe um pano. E lá na França, as coisas não vão bem? Ela te demande se tudo vai bem lá em França. Ça va, ma tante, ça va. Olha, Afonso, aqui só se ouve falar das guerras que andam lá por fora e nós ficamos receosos pelo que te possa acontecer. Toma este pano. E que Deus te acompanhe. Ela t'offre ce pain. Ela diz que ela entend parler de guerra que se passe dans le monde e ela a peur de ce qui peut arriver. Ela espera que ce pain pourra t'apporter la paix. Je lui suis très reconnaissant de ce pain et de ses vœux. O seu sobrinho está muito agradecido pela oferta e pelo desejo. Que Deus te abençoe. Te proteja dessas guerras que andam lá por fora, por nascente, para a Croácia ou lá por onde é. E em África também. Guerras que não acabam nunca. Ela te bénit. Ela diz que ela entend parler de guerra en Afrique e en Croatie, des guerres que não finissent jamais. E ela se fait du souci pour toi. Tu sais, Afonso, je crois que ta tante est en train de très bien t'accepter. O filho do meu irmão Manuel. O seu sobrinho está ansioso que lhe conte coisas sobre o pai dele. Do seu irmão Manuel. Coisas que se lembre dele. Meu irmão Manuel era um rapaz forte, tanto de corpo como de caráter. Muito trabalhador, direito em tudo. Mas não pensava senão em passar a fronteira. Ele diz que ton père était um garçon très droit. Aussi solide de corps que de caractère, travailleur, mais qui ne pensait qu'à franchir les montagnes, à la recherche d'une vie meilleure. La vie ici est dure. Vida de pobres. Muita canseira, o frio dos invernos. À vezes fama. Il dit que la vie ici est pénible, le travail est dur, il fait froid en hiver et même parfois. On a faim. Ele não tinha outra ideia. Só dizia, I did. E foi. Nós não queríamos, mas ela foi sozinho, sem dizer nada. Aquela criança. Ta tante dit que ton père était très courageux et que personne ne pouvait lui tirer de la tête l'idée de partir. Só soubemos depois, por alguém que o viu, já a desaparecer numa madrugada muito frio. Lá por trás da serra. Levava uma saca ao ombro pendurada na ponta de um pau. Não tornámos a saber dele. Só muito tempo depois é que veio uma carta da Espanha a pedir dinheiro para comprar a sua liberdade. Inútil ces nouvelles que par la lettre qu'il a envoyée d'Espagne pour demander de l'argent afin d'être libéré. Oui, mais tout ça, je le sais déjà. Mon père me l'avait raconté. Ce que j'aurais voulu, c'est apprendre des choses de lui ici. Ele está a pedir que lhe conte coisas daqui. De quem? De nós? Sim, e do seu irmão Manuel. Oh. Que hei de contar? Que teu pai foi muito corajoso e que por maiores perigos que lhe mostrássemos ele não quis ficar, não ficou convencido e meteu-se por esse mundo fora, à aventura. E agora apareces tu a falar outra fala. Olha, Afonso, se o teu pai não te ensinou a nossa fala, foi o meu pai. O que te hei de dizer? Contar o quê? Tu é que sabes da vida que tinhas com ele lá na França. Nós aqui, neste canto do mundo, esquecidos de toda a gente. Quem se importa com nós? Sim, quem se importa com nós?
Sabemos dos outros por aquilo que nos dizem. E que coisas dizem? Ora, coisas já passadas e coisas de agora. Coisas que se não esquecem. Que se não esquecem? Que não esquecemos nós, que para que estamos, neste canto do mundo. Sim, quem pensa em nós? Olhe, senhor, quando foi da guerra de 14, nessa altura, pois, nessas alturas bem se lembram da gente. Vieram aqui para buscar os nossos rapazes, para combater contra com os franceses, contra os alemães. E por lá ficaram. Ficaram a viver lá por França? Não. Mortos. Mortos na guerra. Até havia um soldado de Vila Real ou de Mursa, um homem chamado Milhões, que foi dos poucos que voltaram com vida. Olha, esse morreu há poucos anos, na terra dele. Esse subiu para uma árvore, com uma metralhadora, escondido pelas folhas, a disparar contra os alemães. Lembro-me bem disso. Foi na Batalha do Mar, na 9 de Abril. Salvou milhares de soldados franceses e aliados. Hoje, quem se lembra disso? Depois, passado muito tempo, já o teu pai estava na França. Logo havia de vir outra guerra, outra vez contra os alemães. Anton era o Salazar que mandava em nós, em um deorte. Não entramos nessa guerra. Não entramos, não. Ele não quis. Mas cá voltaram outra vez para levar os rapazes para as colónias. Anton, muitos emigraram para o estrangeiro. A guerra da África só terminou com o 25 de Abril. E cá na aldeia só ficaram os velhotes como nós. Ele raconte des choses de la guerre quand ton père est parti en France. Il se plaint que le monde les oublie. On ne se souvient d'eux que lorsqu'il y a des guerres et qu'on vient les chercher pour mourir. Elle a aussi parlé d'un héros, un soldat portugais qui, pendant la guerre de 14, a grimpé dans un arbre avec une mitrailleuse et des munitions et de là a tenu les Allemands sous le feu, tandis que les troupes françaises et les alliés se retiraient à toute vitesse. Ta tante dit que Salazar qui commandait n'a pas voulu entrer dans la dernière guerre, mais qu'il a envoyé beaucoup de garçons d'ici pour défendre les colonies. N'y ont échappé que ceux qui ont émigré. Les guerres d'Afrique ont fini avec le 25 d'avril. Alors, au village, il n'est resté que les vieux comme eux. Olha, senhora, quando desaparecermos, quem vai cultivar estas terras? Mesmo nós já mal podemos. Eu ainda vou fazendo qualquer coisa, mas meu homem... Eu só não posso. Pesa muito as pernas. O que nos vale é a reforma. Se não fosse a reforma, não durávamos mais de 15 dias. Morríamos da fome. E digo aos senhores, em acabando nós, esta terra também acaba. A gente nova já não quer isto aqui. Quer ir é para as grandes cidades. Isto aqui está acabado. Tornamos ao princípio do mundo. Lá isso é. E lá na França, é tudo com máquinas, não é? As nossas terras não dão para isso. Dantes ainda havia o contrabando que nos ajudava bastante, mas agora com essa coisa, a CEE, até isso acabou. O que vale é a reforma do meu homem. Não, mas o seu sobrinho, ele não percebe nada dessas coisas da lavoura. Ele é um ator famoso. O retrato dele costuma sair nas revistas e nos jornais. Com certeza que a senhora já deve ter visto na televisão. Oh, eu nem gosto de falar nessas coisas. Quando vou à casa da minha nora, ela põe-se a trabalhar, mas... A senhora não gosta? Gosta de quê? Coisas sem vergonha, mulheres caradas, aspirem-se diante dos homens, a mostrarem-se nuas. E outras coisas piores que me envergonha dizê-lo. Coisas de assombrar os céus... Mas a televisão também mostra outras coisas. Sim, sim. Se põem a matar uns aos outros como coelhos, sem respeito nenhum por ninguém. São os brancos com os pretos, os brancos com os brancos, os pretos com os pretos. Olha, nem sei dizer. Mas a televisão... Arrega para lá, máquina do diabo. On parle de choses sans intérêt pour toi. Ele diz que n'aime pas la télévision, que c'est une chose du diable. Demandez-lui si maintenant on peut aller au cimetière. Está a pedir para ir ver a campa da família.
Vamos ir embora. Afonso, c'est l'heure. Il faut partir à cause de tournage. Temos de ir embora, minha senhora. Agora não me torno velho. Já reviendrei. E o Ives? Quero conhecer o outro filho do meu irmão. Ives? Il est en France? Je te demande de revenir et d'amener ton frère. Il veut connaître Ives. Je vous l'amènerai, ma tante. Je vous amènerai Ives. Ele diz que sim, que vai trazer o Ives. Não te esqueças. Volta. Volta com ele. Não demores. Não quero morrer sem conhecer o outro filho do meu irmão. Ele te demanda de não pas oublier, de revenir sans tarder e d'amener ton frère. Ele diz que ele vai pas morrer sans connaître l'autre fils de son frère. Je reviendrai, ma tante. Je reviendrai avec Yves. Je vous le promets. Je m'étais jamais mis à genoux. Aujourd'hui, presque tout le monde serait prêt à se mettre à quatre pattes. Ici restent vos souvenirs d'enfance. Ceux de Manuel, parce que ceux de Fons sont restés très loin derrière. Oui, ceux de Manuel. Et des tiens, Fons, qu'est-ce qui t'en est resté comme impression? C'était comme un étrange voyage dans mon imaginaire de voir enfin réellement ces lieux. Ces lieux dont j'ai tellement entendu parler mon père. J'ai comme l'impression d'avoir remonté dans le temps. Piacere ta tante, corps et âme dans tes bras. Moi, même des camarades qui ont partagé ma jeunesse, mon frère Casimiro, et tous les amis de ce temps-là, il ne reste plus personne. Ils sont tous partis. Vivre longtemps est un don de Dieu. Mais il a son prix. Tiens, tiens, notre réalisateur voudrait voyager à l'œil. Quanto tempo precisas para acabar? Uns 15 minutos. 15 minutos? Já estão todos à espera. Despache-se. Comme ça, vous avez un air plus étrange. Regardez. C'est mieux comme ça.
Je suis Pedro Macao. Et j'ai une poutre sur le dos. Les gens passent toujours me voir. Les uns avec leur museau blanc. Les autres avec leur museau noir. Et personne ne me tire de mon tourment. Des histoires comme ça, personne ne les raconte. Toi non plus, Afonso. Tu n'es plus tout à fait le même. Tu es un autre. Oh, tu finis avec ta tirade? Vas-y, on t'attend. Alors, on y va, hein? Et amène l'autre avec toi. Toi aussi, Manuel, tu es un autre Pedro Macao. Et personne ne te tire de ton tourment. Thank you.